Benjamin Caluet, bonjour. Bonjour. Vous êtes du côté de Sens, je crois. Oui, c'est ça. Mais ancien Avallonnais, je crois, aussi. C'est ça. On est ensemble parce que depuis maintenant bon nombre de semaines, on va dire officiellement le 17 novembre, mobilisation des Gilets jaunes. C'est ça. Partout en France. Et aujourd'hui, on est ensemble pour que vous nous parliez un petit peu de la situation. Est-ce que ça continue, le mouvement continue, il y a des choses qui vont se mettre en place. Est-ce qu'on peut faire un petit retour en arrière sur les Gilets jaunes et où on en est aujourd'hui? C'est très simple, la colère a débuté avec la hausse du carburant. Et puis, Monsieur Macron ne voulant pas entendre le peuple, du coup, la colère est montée et maintenant nous avons plusieurs revendications. Les principales revendications, c'est surtout la hausse des salaires et le pouvoir d'achat. Une grosse demande du RIC maintenant. Oui. Ça, la population maintenant l'entend très souvent dans les manifestations, que ce soit sur Paris, que ce soit dans le reste de la France. Les gens veulent le RIC. Après, je pense que pour l'instant, le mouvement ne va pas s'essouffler. Au contraire, je pense qu'il va encore durcir. J'espère qu'il y a encore des gens qui vont se greffer à nous, parce que ça concerne tout le monde. Donc après, moi, j'ai créé une page, justement, pour les revendications, pour que les gens puissent voter de leur plein gré, et, sans obligation ni quoi que ce soit. Mais je pense que maintenant, les Gilets jaunes, il faudrait qu'on se structure, parce que l'État, sinon, va nous prendre un peu, comme je dirais, pour des guignols. Maintenant, moi, je pense que la solution, c'est de leur montrer avec des chiffres les revendications et le nombre de gens qui sont pour ces revendications-là. Donc, c'est pour ça que, du coup, je me suis permis de créer une page pour ça. Benjamin, est-ce qu'on peut rappeler que ça s'adresse à tout le monde, que ce soit les retraités, que ce soit les étudiants, les jeunes, les jeunes hein, qui ont des difficultés aussi. Voilà, on peut dire que c'est apolitique et il n'y a pas de syndicat, de choses comme ça. Ah, c'est totalement apolitique et asyndical. Ça, là-dessus, et on revendique d'ailleurs là-dessus qu'on est apolitique et asyndical. Après, il y a forcément peut-être des gens de partis politiques ou quoi que ce soit qui se sont greffés, mais ils revendiquent pas du tout leur parti politique et tout le monde est le bienvenu. Hein. Le mouvement continue. Hein. On voit des gilets jaunes qui ont passé le réveillon, qui ont passé le jour de Noël sur des ronds-points, qui montent encore à Paris. Voilà, ça continue, l'effervescence continue, on voit effectivement des créations sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent continuer à se mobiliser, donner leur avis, parce que leur avis est important aussi. Ah bah, de toute façon, moi, la page, je dis bien sur ma page que toute idée est la bienvenue. Maintenant, faut qu'on en parle tous ensemble, faut qu'on se mette d'accord tous ensemble, parce que le mouvement concerne vraiment tout le monde, quoi. Et des personnes aussi qu'on parle pas souvent, c'est les handicapés. Ils sont énormément concernés aussi par ça. J'ai encore lu des articles que Monsieur Macron allait encore diminuer à partir du 1er janvier. À un moment donné, il faut vraiment arrêter de taper que sur le peuple et pas sur le gouvernement, quoi. Moi, j'ai 36 ans, je suis handicapé. J'ai plus le droit de travailler parce que la sécurité sociale s'est permis de prendre une décision là-dessus. J'ai été plusieurs fois à Pôle emploi, leur réponse elle est très simple, hein. C'est « Monsieur, restez chez vous, on n'a déjà pas de travail pour les personnes valides, alors vous vous doutez bien que les handicapés, on n'en a pas ». Et je trouve ça triste en 2018 de ne pas avoir encore les handicapés intégrés dans la société. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle des choses, une bonne partie de la population se sent pas écoutée? Je ne sais pas quel terme on peut employer, mais voilà, quoi, on n'est plus à notre place, quoi. Moi, je vais même être très clair là-dessus. Il y a deux parties. Il y a le peuple qui galère tous les mois, toutes les années, là. Et il y a le gouvernement qui, lui, mène son petit train de vie tranquille et qui n'écoute personne. Ils s'en foutent royalement de nous, quoi. Enfin, moi, tout du moins, c'est mon ressenti et c'est ce que j'entends aussi sur plusieurs ronds-points. C'est que, on n'est pas entendu du tout. Ça fait plus d'un mois qu'on est sur la manifestation. Les policiers, ils font leur truc. Hop, c'est bon, ils ont de l'argent. Les CRS, ils ont une prime. Les ministres, ils se sont octroyés une prime de Noël qui est... Moi, je suis dégoûté maintenant. À l'heure actuelle, je suis dégoûté du gouvernement. Même déjà un petit peu avant, j'étais dégoûté du gouvernement, mais là encore plus, quoi. Alors, on le disait, vous êtes jeune, vous suivez un peu l'évolution du gouvernement, de la politique. On peut pas dire que ça date d'aujourd'hui. Non, ça fait au moins 30 ans. 30 ans que le gouvernement a fait en sorte que le peuple n'ait plus rien, mais ça a été d'année en année, et puis là on est arrivé, je crois, au stade où les gens n'en peuvent vraiment plus, quoi. Et les fins de mois, le début de mois, ils démarrent le 5, pour la plupart, la fin de mois, elle est déjà le 15, quoi. Ouais. Ça, c'est dans le meilleur des cas, donc
Et à un moment donné, comme je vois là tout l'argent qu'on donne dans les autres pays et tout, je suis pas contre, hein, mais quand je vois comment déjà notre propre pays galère, faudrait déjà voir déjà pour son propre peuple, les SDF, personne n'en parle, mais il y a des millions de gens qui sont dans les rues, et moi je suis dégoûté, parce qu'il y a plein d'habitations qui servent plus à rien, l'État pourrait faire quelque chose, mais pourquoi faire? On s'en fout de tout ça, c'est les gens du bas, comme ils disent. La mobilisation continue. Comment est-ce que vous sentez justement vos compagnons, entre guillemets, de route de ces gilets jaunes, leur morale, ce qu'ils ont envie, pourquoi ils se battent? Le moral, moi, je pense qu'il est toujours là. Les gens ne lâcheront pas. Ça, si tout le gouvernement ne comprend pas, c'est que les gilets jaunes ne lâcheront pas. Le mental, il est là. Mais les gens, ils commencent à bouillonner. Moi, j'ai déjà été à Paris plusieurs fois. Faut voir comment les gens sont traités là-bas, quoi. C'est parqué, c'est gazé, c'est matraqué, c'est pour rien en plus. Il n'y a pas de débordement plus que ça pour mériter tout ce qu'ils nous font après par-dessus, quoi. La dernière fois que j'y suis allé, j'ai quand même subi 6 contrôles de fouilles au corps et au niveau de nos sacs et tout, qui nous ont tout supprimé, quoi. Mais même à un tel point où pour ma femme qui était secouriste et tout, ils voulaient supprimer tout ce qui était compresse et tout pour qu'on apporte les soins aux gens directement, quoi. Enfin, je trouve ça inadmissible. Y a pas de mots là-dessus, quoi. Bon, après, il y a la fatigue. La fatigue, oui, on l'a tous, hein, que ce soit du côté des manifestants ou que ce soit du côté des CRS. Hein, après, comme je dis, les CRS, ils font leur travail, c'est des ordres qu'on leur donne. Maintenant, s'ils voient que ça peut mettre en danger la vie d'autrui, mais je vois pas pourquoi ils le font. Y a aucune raison de suivre un ordre qui n'a pas lieu d'y être, quoi. Deux camps sont fatigués, ça c'est bien sûr, c'est une lutte qui dure tous les jours, tous les week-ends. Voilà, c'est épuisant, mais on montrera que nous, on lâchera pas les gilets jaunes, ça c'est hors de question. Le pourquoi, effectivement, de cette page Facebook. Alors, expliquez-nous comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut y trouver, est-ce qu'on peut commenter, est-ce qu'on peut donner un avis, comment ça se passe? Alors, du coup, la page s'appelle Les revendications des GJ de France. Donc, les GJ, c'est les gilets jaunes. Donc, c'est très simple. On a mis plusieurs revendications qui ont été demandées par le peuple français. Il suffit d'adhérer à la page. Donc, quasiment dans l'instantané, vous êtes accepté. Après, vous avez juste à voter pour ou contre les revendications. Si après, vous en avez d'autres à suggérer, ça, on y prend, on est preneur, hein, de tout ça. Au contraire, on écoute le peuple, contrairement au gouvernement. Et du coup, après, on voit si on peut apporter ou si pour l'instant, c'est pas spécialement urgent, parce que, comme je dis, il y a des revendications qui sont très urgentes à traiter. J'en ai, c'est même pas la peine de négocier quoi que ce soit. Les gens sont à l'unanimité d'accord avec ça, quoi. Moi, ce que je veux, c'est que, voilà, moi, j'ai bien entendu que le gouvernement nous prend pas trop au sérieux parce que nous sommes pas trop structurés. Il faut savoir qu'il y a des gens quand même qui travaillent, hein, pour la structuration, qui restent dans l'anonymat pour l'instant, parce qu'il faut le temps de créer quand même tout ça. Tout à fait. Mine de rien, ça travaille quand même derrière. Il y a des gens aussi qui font le nécessaire pour les gens qui veulent aller sur le terrain. Voilà, moi je suis Flyrider, Eric Drouet, qui sont quand même des images des Gilets jaunes. Voilà, moi aussi je les suis, hein, je suis exactement ce qui se passe et tout. Pour moi maintenant, Paris, j'ai un peu arrêté parce que c'est très compliqué quand on est handicapé. On n'a pas d'échappatoire, on n'a rien, on subit totalement tout ce qui se passe. Mais voilà, moi je permets maintenant aux gens de voter par leur propre conscience de ce qu'ils veulent comme revendication, en fait. Et je n'oblige en rien d'adhérer à ma page. C'est vraiment ceux qui le veulent, ceux après qui veulent pas, bah voilà, ils veulent pas. Hein. Oui, tout à fait. Oui, chacun est libre. Obliger les gens à dire, bah si, tiens, vote ça, parce que voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Moi, je suis pas le gouvernement, moi. Puis, alors, je veux même pas du tout représenter qui que ce soit. Moi, j'ai créé une page pour qu'on puisse avoir des chiffres, pour que le gouvernement voie la colère des gens.